Serena va démarrer avec mon épouse il y a 20 ans. Un petit groupe avec quelques filiales, une en Angleterre, une en Allemagne, une aux États-Unis, une au Portugal. On conçoit, on fabrique et on commercialise des équipements de pointe pour l'industrie 4.0 dans le domaine de la céramique et du verre. Ça va être des machines pour les céramistes qui vont vouloir fabriquer des pièces. Mais ça peut être l'industrie du luxe. Ça peut être aussi des machines pour le secteur automobile, le secteur de la défense, de l'aéronautique. De la métallurgie pour les fours, voilà, c'est très très vaste. Bah, ça va pour la plus petite machine laser à 70 000 euros jusqu'à 1 million d'euros. Il s'agit justement de machines pour la plupart qui sont complètement nouvelles. Donc on va proposer ces équipements qui vont pouvoir partir demain en Inde ou en Asie du Sud-Est ou encore aux États-Unis. C'est une machine de total transfert avec des solutions complètes faites par la cristallerie de Saint-Paul qui va partir en Inde très prochainement. Mais les machines à côté, c'était pour l'Angleterre, les autres, c'était pour la Malaisie. Nous, on investit à peu près 2 millions d'euros dans l'innovation chaque année, donc c'est assez important. Et là, il y a à peu près 17 personnes qui travaillent dans la direction de l'innovation. Des automaticiens, des électriciens, des roboticiens, et puis des gens des procédés, donc des céramistes également, dont la plupart sont issus d'ailleurs des écoles de Limoges. Moi, j'ai fait, et mon épouse aussi, l'école d'ingénieurs de Limoges. Parmi les nouvelles machines qu'on va proposer, on s'intéresse beaucoup à la robotique, on va s'intéresser beaucoup à l'impression 3D également. Et on trouve des nouvelles technologies qui sont moins coûteuses, moins énergivores, qui ont une plus grosse rentabilité. Sinon, nos équipements dureraient trop longtemps et on ne les changerait jamais. Puis une entreprise en France ou à l'international fonctionne si elle innove et elle exporte. Shine like gold.